Voilà. Ah, c'est les wildcards, moi. Bon, alors, présentez-vous, les gars. Rémi, à la contrebasse. Rony, à la batterie et au cœur. Renaud, guitare et chant. Du coup, on est le groupe White Karma. On joue du rock'n'roll depuis, depuis trop longtemps. Mais... Depuis ? Depuis 2000... enfin, c'est... 2005. 2005. Bon. Donc, 2005. Ouais, d'accord. Vous êtes un groupe de jeunes, mais pas vraiment un jeune groupe. En vérité, c'est parce qu'on fait du sport tous les matins et on met des crèmes de jour et de nuit. En vérité, on a 30 ans comme tout le monde. D'accord. Bon, les gars, je vous ai écouté là. J'ai entendu aucune chanson standard connue. Donc, je suppose que vous faites que des combos. Alors, on fait les deux. Vous avez choisi la difficulté ou quoi? Non, on a toujours fait de la composition. Du coup, ouais. On a toujours fait de la composition, du coup. Et compris un peu à l'autre sens. Je pense que ça fait la chose. D'accord, ça vous fait pas peur. Décrivez quand même en deux mots là votre style de musique. Le style de musique, trois mots à canon. Équilatéral. C'est du rock'n'roll et on essaye de. Ce qui manque aujourd'hui dans le rock'n'roll actuel, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Mais le problème c'est que si tu joues que des vieux morceaux, ça manque d'actualité. Donc nous on essaye de faire un peu les deux. D'accord. On a le cul entre deux chaises, mais c'est pas évident parce qu'on a peu de fesses. On fait beaucoup de compos, on fait quelques reprises aussi, mais à notre sauce, du coup, on n'a pas l'impression que c'est des compos. Vous avez enregistré un album, je crois, un CD. On a enregistré, hein un album il y a quelques temps, et là, dans deux semaines, on enregistre 45 tours, 4 titres, allez, du rock'n'roll explosif. Allez, alors parlez-nous un peu de ce titre, de ce 45 tours. Et du nouveau disque. Ouais. Tiens, bah, le prochain album, bah, ça sera du coup un 45 tours. Qu'on enregistrera en Espagne, à Villa Marchant, dans le studio de Speed Records. Et donc du coup, on va faire ça en tournée, entre deux dates, quoi. Et on va enregistrer 4 morceaux en 2 jours, essayer de faire nos morceaux, faire les arrangements. On va espérer qu'il ait de la voix et qu'on arrive à jouer, mais normalement, ça devrait aller. Pour l'instant, vous n'avez fait que de la scène régionale, pratiquement. Ah non, on joue partout en France, on a joué aussi un peu en Espagne, et là, dans deux semaines, on fait une tournée en Espagne, justement, et on en profitera pour enregistrer dans un studio en Espagne, pour sortir le 45 tours. Les 45 tours, on ne sait pas quand on le sort, ça dépend si on a beaucoup d'argent ou pas après la tournée. Bon, bah, donc, alors, je vous souhaite bonne chance pour ce 45 tours. Nous aussi, on se souhaite beaucoup de chance. Et bon, espérons que vous rejoignez les grands. Pareil qu'ils disent. Hein. Merci pour l'interview. Ah, je voulais vous demander si quelqu'un veut vous réserver, qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit aller sur un site, quelque chose. Je vais te montrer comme ça.